le peuple veut reprendre son pouvoir. Nous sommes là, nous constituons le peuple. Vous voyez vous-même que ce pays est réveillé. Et ce réveil-là, on ne peut plus le divertir. Le peuple ira jusqu'au bout. Il y a eu 50 ans d'une gestion et d'une confiscation de pouvoir. Aujourd'hui, les Togolais ne peuvent plus supporter un seul instant que cela continue. Ils sont là pour demander que les réformes soient faites sans condition et que M. Ford libère ce pays. Ouais, c'était prévu deux jours de manifestation, le deuxième jour nous avons aujourd'hui. Vous savez, ça continuera, je vais vous dire. Toujours. Nous sommes mobilisés, ça continuera jusqu'à ce que ce pays enfin soit un pays des Togolais et non un pays d'un clan. Ce peuple réveillé ira jusqu'au bout de son combat. C'est maintenant que le combat commence. Nous sommes là dans le combat. Ok, merci. Donc c'est un changement de stratégie. Ce n'est pas un changement. C'est la suite logique de ce qui se passe dans le pays. Le 19 août, vous avez vu que le peuple s'est levé. Aujourd'hui, la mobilisation est encore plus grande. Et cette mobilisation, elle concerne Lomé, mais elle concerne aussi les villes de l'intérieur. Pendant que je vous parle, à l'intérieur du pays, la mobilisation est encore plus grande. Et cette mobilisation, le peuple a récupéré son pouvoir. Démission.